Hey, résumez l'histoire. L'histoire se résume à... Il s'agit d'un... d'une méprise. C'est l'histoire d'un homme. Roger, la bonne cinquantaine. Fleuriste, je crois. Il fait une rencontre. Et il a décidé de mourir. Alors, je commence. Alors, c'est l'histoire d'un homme. Jeune paumé. Malheureusement, il va y avoir une méprise sur la personne. Pourquoi ? Mais sinon, pas faire souffrir sa femme, il décide d'organiser. Mais il n'a pas tellement le courage de le faire par lui-même, alors il décide de ne pas se suicider, mais plutôt de souscrire une assurance vie. Mais ça ne suffit pas à son bonheur. Dans une grande ville. suite à cela, il va y avoir une histoire dans un bar. Comme il le convient. Là, je m'y attendais absolument pas du tout. Une vie extrêmement... normal. Qui s'appelle Claudine. Où le protagoniste, le personnage principal... J'ai un homme bien installé. ...sera en retard à son rendez-vous. Ce que j'ai compris, c'est que... C'est juste un homme qui est... Gardien d'un cimetière. Architecte d'intérieur. Et il va pas mourir. Il vit... En parallèle. Afin de, de s'échapper. Donc il va faire appel à... Il y aura méprise. Dommage collatéral. Ce qui va engendrer tout un tas de rebondissements. Pourtant, il est marié à Claudine. Pas facile, hein. Pas facile. Voilà. J'entends dirai pas plus, je ne veux pas que les autres le sachent.